ça là. Le voyez-vous? Comment on y est? Amen. Amen. Il est le juge suprême. Ah, j'allais mon sang, mais ça l'écolo. Il n'y a point d'autre que lui. Mon sous soit j'allais te bobel. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Alléluia. Amen. Donc la venue de la nuée, c'est une confirmation divine. Nous croyons à un message confirmé. Vous devez entendre la main. Fabana me dit, Moïse a écrit l'Ancien Testament. Paul a écrit le Nouveau Testament. Paul a commis beaucoup de sika. Il dit, mais la colonne de feu est venue dans cet âge. Alors mettez le conseil à monter, n'ayez le cannabis. Non, pas pour écrire. Et j'allais pas la commenter. Mais pour confirmer que ce message est la vérité. Car c'est pas la condamnation des sangs, j'allais à solo. Nous vivons au temps de la confirmation. Donc j'allais copier qu'en attendant la condamnation. Frère, ne sois pas distrait. Dès qu'on a la qui dit battez. Dieu est en train de confirmer. Non, mais j'allais qu'être la condamnation. Tu auras ta confirmation ce soir. C'est le temps de la confirmation. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Amen. Fabana me dit, avant que je lise cette citation, donc la venue de la nuée, le retour de la colonne de feu, c'est pour confirmer le message. La création des écureuils, c'est une confirmation. Le discernement des pensées du cœur, c'est une confirmation. Alléluia. Amen. Fabana me dit, dans les messages à voir des conférences, la chose même qui le confirme est un retour de cet esprit prophétique qui discerne les pensées. Qui vous dit ce que vous avez fait? Ce que vous ferez? Ce qui vous arrivera? Et chaque situation malencontreuse, toutes les fois parfaitement, pendant année après année, c'est ça la confirmation que je vous ai dit la vérité. Dans le discernement des pensées du cœur, c'est une confirmation. Quelqu'un arrive, Frère Branham dit, ton nom est Eva. Eva. Et tu viens de Michigan. Je te voyais. Alléluia. Amen. Je te voyais. Dans le cabinet du médecin. Et j'entends le médecin dire que tu as un ulcère d'estomac. Et demain, quand tu iras à tel endroit, tu rencontreras un homme qui sera habillé en bleu et qui te dira telle chose. C'est le ministère que nous avons reçu. Et j'ai le temps, moi, toi, yambi. Et c'est quoi? Et j'ai le nini. C'est une confirmation. Et j'ai le que ce message est la vérité. Et sango, et j'ai solo. Mais ce message est la vérité. Et sango, et j'ai solo. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans les messages, n'ayez pas peur. Il a prêché en 60. Paragraphe 71. Il dit, croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Ayez foi en Dieu. C'est terminé, mon frère. Laissez-moi m'arrêter un peu là. Maintenant, quand nous écoutons la parole, nous entrons dans l'esprit de la parole. Et Frère Branham dit ici, il parlait à Jeffersonville. Mais nous sommes son auditoire. Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Ayez foi en Dieu. C'est terminé, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Ton problème est terminé. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Crois seulement maintenant. Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre. Maintenant, j'aimerais le régler pour tout votre groupe.
Cela confirme-t-il que je prêche la vérité? Comment Dieu me permettrait-il de dire quelque chose de faux? Et se tenir debout avec mon message même? Ces choses ont pour seul but celui d'indiquer une confirmation divine que ma théologie est vraie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Zambe pambola. Tu as confirmé le prophète. Andimisaki mosakoli. Dans les messages qu'entends tu Elie. Abraham dit paragraphe 32. Écoute mon frère. Vous pourriez avoir beaucoup de bruit. Mais je me demande combien l'esprit est derrière cela. C'est ce que je me demande. Ce n'est pas le bruit qui fait l'esprit. J'ai vu des gens qui pouvaient sauter et courir. Et crier et jouer. Et courir ça et là sur l'estrade. Et qui n'avait pas suffisamment de foi réelle. Et véritable pour arrêter un mal dedans. C'est vrai. C'est toujours le doux murmure de Dieu qui met en marche la puissance de Dieu et qui rend les choses réelles et qui apporte la vie à l'église. C'est de cela que je parle. Ce ne sont pas les bruits qui comptent, c'est la confirmation. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors laissez-moi vous dire, frère. Nous prêchons un message qui est déjà confirmé. Le message de William Branham est déjà confirmé. Le prophète Branham, c'est un prophète confirmé. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas. Le ciel l'a confirmé. Dieu l'a confirmé. Nous prêchons un message confirmé. Donc il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Écoutez, église. Si tu es venu pour la première fois, nous n'essayons pas de te convaincre que toi tu rentres dans le message coûte que coûte. Et si toi tu ne viens pas, nous partirons quand même. Alléluia. Amen. Il y aura un enlèvement. Tu resteras. Et nous partirons. Nous ne faisons pas du prosélytisme. Nous ne Ce n'est pas la politique. Essayez de tirer les brebis. Ce message ici, c'est la profondeur. Qui appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Ce message, Sangoyo, c'est la mère aigle. Ajali maman Pongo. Qui appelle les aigles. Ajali kobenga bana Pongo. Frère Branham dit, il dit, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère Branham dit, ce n'est pas devenir. Ils étaient déjà enfants de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont reçu Jésus. Dans cette histoire, il n'y a pas de hasard. On n'essaye pas de tableau au ciel. Si tu viens du ciel, tu retourneras au ciel. Si tu viens de l'enfer, tu retourneras au ciel. Alléluia. Amen. Le message de William Branham est déjà confirmé. Donc ici, Lokola awa, nous, je n'essaye pas
de te pousser à dire amen. Na jali ko tindu kona makasi te polo ba amen. Si tu es un aigle, soko jali pongo, tu vas répondre par un amen. Oko ya na amen. Si tu entends la voix de la mère aigle, soko yoki mongongo ya mama pongo, tu vas répondre. Oko zongi sela ye. Mais si tu n'es, si tu es un poulet, kasi soko jali soso, tu vas prendre la fuite. Yoko kima. C'est une question de nature. Et jali kamo ezale liambo tama. Que les aigles disent amen. Basa to bolo ba amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc ce message Sangoyo est déjà confirmé. Sendimi Sami. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. To jali ba témoin ya Yahweh. Je te prêche le message. Na jali kote yo sango. Tu ne veux pas. Olingite. Ben, je reste gentil avec toi. Na tika likanga na bobote lengo na yo. Et ça s'arrête là. Pe esukeli wana. Tu ne m'empêches pas de respirer. Okope kopeksanga kope mate. Et tu m'empêcheras pas d'aller au ciel. Okopeksanga pe tena kelo la. Voilà. C'est comme ça. Shali bongo. Alléluia. Amen. C'est un problème de Dieu. Shali likambo na njambe. Maintenant on va y aller, on va avancer. Siko toke liboso. Dans Jean 10 le verset 37. Nous sommes en train de parler de la confirmation. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Amen. Alors Frère Bonhomme explique ce verset dans le message la preuve de sa résurrection, paragraphe 136. Il dit, il était debout là et il se fit connaître. Et il a dit, si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais. Elles rendent témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Et mon instruction, en d'autres termes comme ceci, si mon instruction, laquelle je n'en ai pas, mais mon titre académique, mon diplôme n'est pas de vos séminaires. Mon diplôme à moi, diplôme ce sont les œuvres que j'ai faites, montrant que le Père m'a envoyé. Et sans mon diplôme, c'est le meilleur diplôme que je connaisse. Les œuvres que j'ai faites sont une confirmation qui prouve que Dieu m'a envoyé. Si ça ne suffit pas, croyez-y donc plutôt que de croire en moi. Donc les œuvres de Jésus étaient une confirmation que le Père l'avait envoyé. Il disait, même si vous ne me croyez pas, croyez au moins à ses œuvres. Parce que ces œuvres sont une confirmation. Est-ce que vous avez saisi? Que Dieu vous bénisse. Maintenant on avance. Je vous ai dit que ce sera un message court et rapide. Maintenant nous allons lire dans Marc au chapitre 5. La Bible dit que Jésus est monté dans la barque. Et il est parti de l'autre côté. Et une grande foule s'assembla auprès de lui. Et vous savez que là où était Jésus, il y avait du bruit. Madame dit, là où il y a Jésus, il y a du bruit. Là où Jésus passait, il y a des gens qui l'insultaient. Malgré qu'il insultait, c'était quand même du bruit. Et il y avait d'autres personnes
qui criait Hosanna. Et tout ça, ça faisait un mélange. Maintenant, frère Branham dit, la réaction que vous avez aujourd'hui, c'est la réaction que vous aurez eu ce jour-là. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas de neutre. Soit vous êtes en train de faire du bruit en l'insultant, ou soit vous criez Hosanna. Mais moi, j'ai choisi de crier Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Sœur, crier Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Je vais entendre Hosanna. Je vais entendre Hosanna. Je vais entendre Alléluia. Je vais entendre Hosanna. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il aime ce que tu fais. Alinga kamakambo sali. Il aime ce que tu es en train de faire. Alinga kamakambo sala. Abraham lobi. Il faut tout faire. Pour attirer l'attention du ciel. Bona kobenda bokebe alola. Qui a un problème ici? Nana zali kambo. Qui a un problème? Nana zali kambo. Alors le ciel doit te regarder. Abo ilola sele kotala yo. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire. Botika mabalabino. On est en train de filmer. Mais le ciel aussi est en train de filmer. Maintenant, le ciel doit entendre ma voix. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Je vais entendre Hosanna. 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 Donne une acclamation au Seigneur. Donne une acclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Okolomoko, on a prêché quelque part. Et c'était calme. Et il était en train de prêcher. Personne ne disait amen. Au bout d'un moment, il entend seulement quelqu'un crier amen. Et Fabana dit, Ben, tu es là. Ben, aujourd'hui, on a. Et Ben Brian était dans la salle. Maintenant, est-ce qu'il y a des Ben ici? Ben moko roja la awa. Est-ce que Ben tu es là? Ben ojaliwana. Ben tu es là? Ben ojaliwapi. Est-ce que tu es là? Ojaliwana. Est-ce que tu es là? Ojaliwana Ben. Alors qui Hosanna? Loba Hosanna. Je vais entendre Hosanna. Loba Hosanna. Je vais entendre Alléluia. Alléluia moko. Alléluia. Alléluia. Un jour, Mokolomoko, frère Ben Brian, Ndeko Ben Brian, frère Branham était en train de prêcher. Branham, je l'ai à côté. Et frère Ben s'est levé. Ndeko Ben a télémi. Et il a crié amen. Ben Ngangi, amen. Et il a donné un coup de poing au mur. Ben a bêté Boutunami dans les toutous. Ses poings sont rentrés dans les murs. Alors il a dit à frère Branham. Il dit pardon frère Branham. Frère Branham dit. Ben ne t'inquiète pas. Ben, nous allons réparer les dégâts. Est-ce que Ben est ici? Ben, est-ce que Ben est ici? Ben, je vais entendre ton alléluia. Je vais entendre amen. Amen. Je vais entendre gloire à Dieu. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. Nous croyons à l'ordre de l'église. Nous croyons à l'ordre de l'église. Mais quand tu viens à l'église, c'est toi et Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai mon problème.
Mon problème est différent de ton problème. Les me dit, l'église ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Église, ce n'est pas un lieu où je viens pour que tu me donnes ma dette. Nous venons ici pour rencontrer Dieu. Donc quand je viens ici, si l'esprit me conduit à danser, je ne veux pas que tu me juges. Je suis venu ici, j'ai quitté chez moi, tout seul je suis venu. Alors ne me jugez pas. J'ai mon problème. Je veux que le ciel puisse résoudre mon problème. Alors je vais crier Hosanna. Je vais crier Hosanna. Je vais crier Hosanna. Je vais crier Hosanna. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon. Deux.